Le système sonar avant et arrière permet de détecter les obstacles à l'avant, au coin et à l'arrière du véhicule. Si un obstacle est détecté, le système sonar émet une tonalité et un témoin s'affiche sur l'écran central. Lorsque vous vous rapprochez de l'obstacle, la couleur du témoin passe du vert au jaune, puis au rouge, tandis que la fréquence de la tonalité augmente jusqu'à produire un son continu. Si l'obstacle est détecté uniquement par le capteur de coin et que la distance ne change pas, la tonalité s'arrêtera au bout d'environ 3 secondes. Le système s'active lorsque le contacteur d'allumage est sur « on », que la vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h environ et que le levier de vitesse est en mode « drive », « neutral » ou « reverse ». En mode « drive » et « neutral », le système sonar aide à détecter les obstacles se trouvant devant le véhicule. En mode « reverse », le système sonar détecte les obstacles devant, au coin et à l'arrière du véhicule. Pour désactiver temporairement le système sonar, appuyez sur l'interrupteur « off » du système sonar. Pour le réactiver, appuyez de nouveau sur l'interrupteur ou placez le contacteur d'allumage de « off » à « on ». Pour ajuster les réglages du sonar, appuyez sur le bouton « menu » du panneau de commande. Touchez la touche « réglages ». Sélectionnez ensuite « sonar de stationnement ». Maintenant, choisissez l'élément que vous souhaitez régler. Pour assurer une précision maximale du système, veillez à garder les capteurs sonores situés sur les pare-chocs avant et arrière, exempts de neige, de glace et de saleté. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.